Salut tout le monde. Encore un colis que l'on va déguster. Cette fois-ci, c'est un colis de chez The American Corner que nous allons déballer. Il y a quelques articles que j'ai choisis, donc on m'a demandé, allez-y, prenez ce que vous voulez. Et je sais que Marion, parce que c'est Marion qui s'occupe du site, a rajouté des choses et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et il n'y a pas que du miam miam. Tout d'abord, j'ai une carte avec, je le dis à chaque fois, mais j'apprécie énormément quand on me met un petit mot personnel. J'aime vraiment beaucoup, ça fait un peu plus intime, un peu moins partenariat, on a beau dire, et ça me fait vraiment plaisir. Il faut savoir que vous allez, grâce à moi, avoir 20% sur tout le site. À partir du moment où cette vidéo est en ligne, c'est-à-dire aujourd'hui, là où tu la vois, et pendant 7 jours, de toute façon je vais mettre ici la date, de la date limite pour avoir les 1%, vous avez droit sur tout le site à 20% de réduction. Voilà, grâce à ce code DJ20, vous avez droit à 20% sur tout le site, profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Je pense que 20% c'est quand même pas, c'est pas rien quoi. Donc en plus il y a des chouettes trucs vraiment pour faire des cadeaux de Noël. Et vous allez voir ce que j'ai pris là. C'est pas des choses que je vais offrir à Noël parce que c'est des choses pour moi. Mais je sais que je vais faire moi-même une commande plus dans quelques jours. Je vais la faire. Ouais. Ah ouais, pour faire des cadeaux de Noël parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants et vraiment beaux. Trêve de blablaterie, nous allons manger et découvrir d'autres choses aussi. Ouais. Marshmallow fantôme. Des pips. Alors ça je pense que c'était à l'occasion de plutôt de Halloween. Mais je pense qu'il y en a encore sur le site. Et on va goûter. En fait les yeux c'est du chocolat. Les deux yeux et la bouche. C'est du marshmallow. Tout simple. Mais ce qui est bon c'est qu'il y a du sucre dessus. Ouais. C'est sympa. C'est bon. C'est bon. 7. Ouais, je vais mettre 7 aussi parce que le goût est super bon. Hein. C'est pas. Mais on découvre pas quelque chose d'étonnant non plus, mais c'est sympa. Oh, c'est bon. Ah, ça c'est quelque chose qu'on ne mange pas. Bah on dirait des articles. Oui, des articles de quoi? De lessive. Ouais. Voilà, on dirait vraiment des petits barils de lessive. J'ai peur que ça me... Mais non! Là, il y a un carré. Ouais, c'est cool. Une gomme? Ouais. C'est des gommes. Une gomme. Et normalement, ils sentent bon. Oh. Ouais. Elles sont toutes belles. Ah oui. Non, je pense pas. Ça sent la lessive, en fait. Ça sent différent. Oh oui. Ah ouais, elles ont toutes une odeur différente. Oh, je préfère celle-là. Ah, ça sent bon. Ça c'est orange. Voilà des petites gommes, je trouve ça original, c'est marrant, c'est un petit coffret cadeau comme ça. Je trouve ça très marrant de faire un petit cadeau aussi. Ah c'est rigolo. Ouais. C'est original, j'avais jamais vu. Non plus. Donc je vais mettre un bon 9 pour l'originalité et puis je trouve ça vraiment très rigolo. Moi aussi 9. Mm-mm. Oh c'est quoi? Ah c'est des moules pour faire, enfin des entrepièces, des... pièce pour faire des formes comme ça. Emporte-pièce. Ah, j'étais presque. Emporte-pièce en forme de... De reine, pardon, et de Père Noël. C'est vraiment un petit coffret cadeau, ça peut être vachement sympa aussi. Donc ça, je mets un 8, c'est vraiment sympa. Un shot, c'est bien. C'est bien. Des trucs qui crépitent dans la langue. Non, ça. C'est fort acidulé, mais ça crépite pas. Ah non! Encore pire. Ça se présente comme ça. Ouais. Un verre, moi je vais prendre un bleu. Un, deux, trois. Oh, alors? J'ai rien. Non, c'est pas fort acidulé. Mm-hmm. Franchement, on sent un petit peu le côté acide, mais pas. Tout petit peu. Ça n'a rien à voir avec les têtes brûlées ou les choses comme ça. 6. Moi, je vais mettre 7 parce que oui, c'est bon, c'est agréable. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Ouais. Plus fort. Moi, c'est pas. Alors. Oh, c'est des.
encore la marque. Et j'adore cette marque, hein, franchement. Cookie and Cream Dipped Pretzel. Donc c'est des pretzels, donc salés, mais enrobés de cookie and cream. Donc c'est salé sucré. Et on dirait des céréales. Ouais. Oh, c'est mignon, regarde. C'est salé. Il y a un goût salé derrière. Ouais. Ah, moi j'aime bien. Mmh. Le côté sucré salé, moi c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Ah, je vais à bon œuf, moi c'est super bon. Ah oui, quand même. Mmh, mmh. C'est bon, ouais. Vraiment bien. Oh, ah, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. C'est la pâte de Harley Quinn. Alors, c'est une batte de baseball, effectivement, mais... De Harley Quinn. Oh, je ne sais pas si c'est de Harley Quinn. Ah, d'accord. Mais, on ne s'en sert pas comme batte de baseball, on s'en sert comme... Au rouleau à pâtisserie. Celui-là, je l'ai vraiment trouvé dans la section cuisine. Il y a une grande section cuisine où il y a beaucoup d'accessoires. Et je trouvais ça, mais hyper sympa. Donc comme ça, si le jour où je suis en train de cuisiner, en train de faire un gâteau et qu'il y a quelqu'un qui vient m'agresser... Bah ouais, direct. Oh ouais, c'est bien ça. Je suis armée. C'est bien ça. Vraiment génial. Un 10, mais assuré, 10. Ouais, 10 aussi. Oh, ça, c'est génial comme, cool. Comme cadeau. C'est absolument génial, ça. Si tu m'embêtes, un coup de batte. Oh, oh. What? Colorette pencil. Donc des crayons colorés. Des crayons, c'est des crayons bubblegum qui ont une odeur particulière. Oh, ils sont blancs. Ah, c'est ça. Waouh, ça sent fort. Il y a trop de trucs là. Attends. La senteur bubblegum. Bubblegum. Ouais, ça sent tous pareil. Ça, bubblegum. Mais ça sent bon. Moi, je trouve ça original d'avoir des crayons qui sentent bon. Ouais. Est-ce qu'il faut. Mais non, pas sous la table. Ouais, bah c'est des crayons. C'est des crayons qui font des couleurs, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? 9. Oh, moi j'aime bien. Moi j'aime vraiment bien. Moi je vais mettre 9 aussi parce que l'odeur est peut-être un petit peu forte. Ouais. Mais bon, à la longue, je pense que ça va s'atténuer. Mais vraiment, encore une idée cadeau, vraiment original. Super sympa. Pourquoi j'ai fait la chanson de le dent de la mer? J'ai pas compris. Spicy queso. Donc, question, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas ici, bah c'est épicé. Donc, voilà. Pringles, c'est la vie. C'est pour les Pringles. Pringles, un peu plus classique d'apparence, mais je pense qu'il y aura quelque chose qui est un peu bizarre. Oula. Ça n'a pas le goût du Pringles normal. Oula. Ça a le goût de. Tortillas. Les tortillas. Je suis pas très fan des tortillas. Moi non plus. Je préfère quand c'est avec la sauce les tortillas parce que nature, ouais. C'est bizarre. Le goût des tortillas, je suis pas très fan. Par contre, c'est vachement épicé. Hein. Oui. Là, le goût épicé est super bon. J'en prends qu'un parce que ça va faire comme le poulet. 9. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment beau. Moi j'aime bien. Moi je mets un 7. Je mets 7 parce que j'aime bien le goût épicé, mais le goût de la tortilla, moi c'est pas trop mon truc. Mais c'est bon. Des Yankee Candle, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Oh bah prends, prends les toutes alors. Ça j'avais pas mis dans le colis, donc c'est Marion qui les a mis en plus. Vas-y, vas-y. Oh, 6 Yankee Candle. On va goûter, on va goûter. On va sentir. Ça sent le. Oh, ça sent Eva. Oh, je te jure. Attends. Allons-y, étape par étape. Ça je sens le miel, mais je vois c'est pas du miel. C'est choco caramel. Ah oui, je sens, oui. Moi je sens. Sablé à la confiture. Mmh. Ah ouais, c'est marrant. En fait, c'est toutes des senteurs de Noël, je pense, qu'elle nous a mis. Sapin merveilleux. Oh. Ça sent vraiment, je vois. Ça sent le sapin. Ça sent le. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la forêt, les promenades en forêt. Ah, j'aime bien. Alors, la magie de Noël. Ah, ça sent la cannelle. Tadam, tam, tam. Alors, pain d'épices en sucre glace. Ah ouais, oh là là. Ça sent le pain d'épices, mais c'est un truc de fou. Oh, wow. Les odeurs de Yankee Candle m'étonnent toujours. Alors ça, il paraît que ça sent Eva, ça sent la copine de Laura. Non, la meilleure amie. La meilleure amie de Laura. Et tu sais ce que ça sent? Feu de bois crépitant.
Emma, tu sens le feu de bois crépitant. Ça sent trop ça. Alors moi je mets un 10 d'office pour les Yankee Candle parce que je sais ce que ça vaut. J'adore les faire brûler. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore les faire brûler. Alors des Cheese It original. Donc c'est des petits biscuits apéritifs mais au fromage. Ça sent pas très fort. Ça se... Non mais c'est vrai que c'est pas... Je m'attendais à une odeur plus forte de fromage. Ah oui. Donc c'est des petits, petits carrés pour ceci souffler. J'aime pas. Bah c'est très spécial aussi ça. Ah j'aime pas. Je regoute parce que je suis pas sûre. C'est pas le meilleur biscuit apéritif du monde mais c'est pas mauvais. Oui. On peut pas dire ça. Je vais mettre un 6 parce que c'est pas quelque chose que je rachèterais. Mais on le mangera c'est sûr. Enfin, moi je le mangerai en tout cas. Tu le mangeras. Voilà, moi ouais, c'est pas mauvais. 6. Moi je mets un 5 parce que j'aime pas trop. T'aimes pas? C'est trop fort le fromage. Ah bon? Ouais. Moi je trouve qu'on le sent pas assez. Ah bon? Oh! 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 Ça fait tellement longtemps que je veux essayer ça! Eau artésienne. C'est de l'eau. Oui. C'est de l'eau. C'est de l'eau de la Fondation Fiji. La Fondation Fiji Water fut créée entre deux objectifs. Premièrement, aider les communautés. Si vous arrivez à comprendre ce que je dis, vous êtes très fort. Premièrement, aider les communautés des îles Fidji sur nos lieux de vie et de travail. Deuxièmement, préserver la beauté naturelle des îles Fidji. Fidji. Donc c'est une eau qui vient des îles Fidji. De Koh Lanta. Exactement. Mais tu vois, on se prépare en fait pour faire Koh Lanta. Tout doucement, on commence à se préparer. Ouais, moi je veux y aller. C'est de l'eau quoi. Comme nous on a l'eau, je sais pas moi, du Mont Blanc par exemple, là bah, c'est l'eau de l'île Fidji. D'accord. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Mais d'accord. Mais de l'île Fidji. J'ai bu de l'eau de l'île Fidji. C'est de l'eau. Alors est-ce qu'elle a des vertus plus dingues que de l'eau par ici? Ça, bon, je ne saurais pas dire. Mais moi je mets 8 pour l'originalité quand même. Ouais mais... Parce que c'est du Fidji, enfin c'est rêveur, c'est trop mignon. Oui d'accord. Donc je vais mettre un 7, moi je mets un 7 parce que je suis un peu sur la réserve là-dessus. Moi j'aime bien. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Une mini guirlande. Oh, qu'est-ce qui se passe? Merry Christmas. Voilà, c'est marqué Merry Christmas. Et elle est grande comme ceci. Happy New Year. Que vous voyez. Voilà, pour mettre sur un mur, je trouve ça super sympa. Ou un collier. Ou un collier. Moi je mets un 9 parce que tout ce qui touche Noël j'aime beaucoup et je mets un 9. Ou soit on essaie de faire un petit truc pour voir là, puis là, tu vois, là où il y a les mes bonheurs, les trucs là, et puis on vient, comme ça, ça revient comme ça. J'ai mis un 9. T'as mis un 9? Je vais mettre un 9 aussi, c'est beau. Ouais, c'est mignon. Mignon, hein. Ouais. C'est quoi ça? Oh, c'est trop mignon. Ah, mais ça, je crois qu'il y en a plusieurs. Attends. C'est des petites décorations pour le sapin de Noël qu'on n'a pas encore fait et qu'on va bientôt faire. Et qui, justement, sera cette année sur le thème du bois. Oui. Parce que j'ai envie de changer toute ma décoration et j'ai acheté déjà pas mal de choses avec du bois. Oh, regarde le petit renard. C'est mignon, la queue. C'est très mignon. Et la queue, elle bouge un petit peu. Noël, Noël, Noël. Christmas time. 10. Ah, moi, je mets 9. J'aime bien mais pour moi c'est ça se mange pas donc c'était 9. Putain midi c'est un truc qui se mangeait pas. Oui il me semble. Je me contredis là. Alors des chips. Des chips Ragin Ranch de la marque X. C'est au goût ranch. Alors le goût ranch, oh la vache. C'est une sauce américaine bien spéciale. La sauce ranch. Oh, c'est bon. Petite pomme de terre comme ça. Ça sent un peu ondulé. Et ça, c'est à la sauce ranch. Alors, je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Moi, je vois ce que c'est la sauce ranch. Mais je n'ai jamais goûté. C'est ça que ça me fait penser. Au chips que t'aimes bien. Oignon crème. Ah si, il y a quelque chose. Ah, un peu plus épicé. Assez épicé, ouais, ça. Ouais. Très bon, ça. Ah, bon œuf. Très 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 bon. Un œuf aussi. Ouais. Oula. Gros paquet. Nugget. Pretzel. Ah. Pretzel nugget. À l'ail je crois et ail et ail et parmesan. C'est un genre de petits des petits biscuits apéro. Ça sent fort.
C'est fort en goût. Après ça, vous venez pas de nous dire bonjour hein, parce qu'on pue l'ail. Hein. Oh, moi j'aime bien moi. Ah si, moi je mets un 9. Assuré, c'est très 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 bon. Ah, un 6. Ah, ah ouais. Non. Bah, on a déjà goûté ça. Bah, on l'a goûté dans la dernière vidéo qu'on a eue. Oh, on mange. Hein. Mais non, parce qu'on a déjà goûté. Mais oui, mais. Ah oui, allez. On met déjà la note, hein. On met déjà à 10. Ah oui. Vous savez. Ça va. On va pas en parler plus longtemps, vous savez qu'on est fan de beurre de cacahuète. 10. Des chips, corn chips au jalapeno cheddar. Jalapeno, c'est une chose qui pique encore de nouveau. Et cheddar, c'est du cheddar. Ça ressemble à des Doritos. Mais ça a l'air soufflé, on dirait des Doritos soufflés. Ouais. Oh. C'est super bien. Oh, j'aime bien. On dirait du maïs en fait. Oui. On dirait des oui, des tortillas mais soufflées comme du pop-corn. Il y a un goût de pop-corn en même temps. Ah, oh, c'est bon. Oh, c'est super bon ça. Ouais. Oh, délicieux. C'est trop bon. Ah, oh, je mets 10 sans problème. J'adore ça. Moi 9 quand même. Oh. Ouais. Ah, on va boire. Ah, oh, c'est de. C'est beau. C'est piquant, c'est tellement stable. C'est vraiment bon. Tu aimes ça, c'est vraiment nature. Snap. Snap. Framboise et groseille. Non, cranberry et framboise. Alors, je laisse toujours goûter avant. Parce que c'est pas parce que j'ai peur que ce soit pas bon, c'est parce que je sais qu'elle est un peu nerveuse. Et qu'elle ne boirait pas derrière moi. Donc là. Si toi, ah, moi ça va, moi je peux cracher dedans. Ça j'aime beaucoup. Mmh. Moi aussi. C'est peut-être un petit peu trop sucré. Mais bon. Un 9. Un 8. Un 8 parce que c'est légèrement trop sucré. J'ai mis un petit peu plus d'acidulé. C'est quoi? Quoi? Il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Mais t'es grave. Je te jure, j'ai fait un truc. Tu m'as craché dessus? Peut-être bien. Ça c'est une bougie. Oui. Oh non, c'est un porte-bougie. Oh, il est trop mignon. C'est de la marque Yankee Candle. C'est un porte-bougie en fait. Vous mettez votre bougie dedans. Tout simplement. Poupoum, voilà. Ça fait poupoum. Ah, poupoum. Tu es reparti. Évidemment, Yankee Candle, bah, un 10, hein, parce que Yankee Candle, c'est la qualité. Et puis on le sait. Baby Ruth. Alors ça me... Mais j'ai un souvenir de malade avec cette barre de chocolat. Nougat, caramel, pull. Je n'ai jamais... Attends, il faut que j'explique. Je n'ai jamais goûté ça. Mais j'ai toujours connu ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un film dans les années 80, je dirais, qui était hyper connu et où on voit un monstre qui mange des Baby Ruth. C'est les Goonies. Alors si il y a des gens de ma génération, je vous passe l'extrait. Donc si les gens de ma génération ont reconnu, merci à vous, merci, parce que c'était un de mes films cultes quand j'étais gosse, et les Goonies, ben voilà, et Baby Ruth, il y a le monstre, un monstre gentil, hein, c'est pas un monstre très très méchant, qui mange des Baby Ruth, et je me suis toujours dit, mon dieu, mais ça doit être bon, et je ne sais pas. Il a cassé le mythe là. Oh, ça sent bon, ça sent bon avec les cacahuètes. J'aime pas. En plus, c'est bon. Ça ressemble un peu aux Snickers. Oh non. Mm-mm. Alors moi, je mets un 9. Rien que la nostalgie du film Goonies. Je mets un 9. 7. Voilà. On dirait des tampons. Ah, c'est pour le thé. Oh, ce sont des capsules que l'on met sur des bics, un simple bic, et ça devient quelque chose que l'on peut utiliser sur son GSM. Oh, c'est chelou. Oh, c'est chelou.
Bon, on va essayer avec un crayon, hein. On est d'accord que si j'utilise son nom GSM, ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, je risque de le rayer. On met ça et... Il faut que je le tenir. Attention. Oh, ça fonctionne. Voilà, c'est un tout petit gadget que je trouvais sympa. Bah moi je mets 9. Ouais, je mets 9 aussi parce que c'est original et puis c'est très utile. Ouais, et très. C'est vraiment chouette ça. Hop. Aïe. Des merdes. Merdes à quoi? Mangue. Ouais. Goyave. C'est quoi? C'est un fruit du coup. D'ailleurs, c'est mes bonbons préférés américains. C'est vraiment bon, j'adore le côté aussi du lait, très croquant et... je mets 10, moi j'aime beaucoup. 10 aussi. Très bien. Alors, York, je sais pas ce que c'est. Au chocolat noir, je vois, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une gaufrette? Pas. Oh non! C'est pas une gaufrette. Oh, c'est la menthe! Oui. Oh punaise. Oh. Alors là, combinaison parfaite pour moi. Menthe, chocolat noir. Moi je sens pas le chocolat noir donc c'est bon. Que goût là. Un 10. 10 aussi. Ça ressemble énormément au After Eight, sauf un peu moins coulant et beaucoup plus épais. Le pire truc du monde. Il y en a beaucoup qui utilisent ça pour la ASMR. Le cornichon. Si vous êtes des adeptes de vidéos ASMR, vous êtes forcément tombés sur cette vidéo. Ouais, moi oui. C'est logique. C'est une des premières vidéos qu'on voit quand on cherche ASMR bouffe. Bah c'est ça. Ouais. Alors, on va vous la faire en ASMR, Stella. Oh my god. Là maintenant, on va se rapprocher et on va croquer dedans. Oh, j'ai peur. T'as peur de quoi? Mais j'aime pas les cornichons. Je vais tomber, arrêtez de rigoler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire... Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la dégustation de ce beau cornichon. Alors, je me moque pas du tout des personnes qui font de l'ASMR parce que franchement, je trouve ça très méritant et j'adore regarder ce genre de vidéos. Mais je sais qu'avec l'humour de merde que j'ai, je serais pas possible, c'est pas possible pour moi. J'arrêterai pas de rigoler, c'est pas possible. Donc je ne me moque aucunement. C'est bon? C'est hyper salé. Ça a le goût de cornichon, oui, y'a pas de problème. Voilà, vous nous avez déjà tellement demandé souvent de faire de l'ASMR, c'est chose faite. C'est fort salé. 4. Ah ouais? Moi j'aime pas les cornichons. Non mais si t'aimes pas, c'est sûr. Moi je vais mettre un 6. Il est bon, hein. Il est vraiment très très bon. On sent qu'il est bien aromatisé, je crois que c'est à la nette. Mais il est trop salé, enfin je sais pas, c'est vraiment trop salé. Un très grand merci à The American Corner de nous avoir envoyé Super Corley. Ce Super Corley, bien sûr. Merci Marion, merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Merci pour ta confiance et puis voilà, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Oui. N'oubliez pas le code DJ20. Non mais sérieux, faut pas l'oublier parce que c'est vraiment très intéressant et ça ne dure que 7 jours. Donc vraiment profitez-en pour faire des petits cadeaux. Et si vous commandez maintenant, c'est assuré, vous aurez les cadeaux avant Noël. Donc vraiment allez-y, foncez. C'est vraiment... Foncez, c'est nous. On c'est nous. Vous savez quoi, hein. On vous fait de très gros bisous gourmands et on vous dit à la prochaine. Bye. Ciao. Bim. Oh. Wow. Cinicor 6XL. Non. Chocolat au lait. Peanut, caramel, nougat. Mais c'est une barre entière. Non. Mais si. On va chercher un couteau, va.